Bonjour tout le monde et voici un nouvel épisode des modes de Doom. Épisode spécial, les modes conseillés par les abonnés. Il est temps de faire un couteau de salle à manger, couteau de cuisine. Waouh, stylé de ouf. Donc là ouais, on est vraiment sur Doom 1 redesigné. Voilà, bonjour monsieur. Ok, oh, c'est assez sympa. Les ennemis sont assez variés, ouais. Ratatatata! Oh, on se bat au point, du coup, on perd beaucoup de points de vie quand même. C'est assez vénère comme jeu. Ratata! Parce que eux, ils ont des armes, attends, mais ils font méga mal, hein! Aïe! Ah! Pour l'instant, ça ressemble pas à. Ovo et Mamou Shideru, là. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger! Ah, j'ai les refs, moi. Ouais, what? Du coup, c'est-à-dire qu'il y a ça dans Doom, mais je ne connaissais même pas. Comme quoi, je connais pas Doom par cœur, hein, encore. Hein. Oh! Oh! On a débloqué des armes, ça a l'air sympa là. Donc ils ont reskin les maps de Doom, oh c'est sympa. Oh! What? Coupé en ta gueule! C'est trop fort! Bouddha Bouddha! Et c'est bien sanglant comme, comme Brutal Doom. Ah, très très cool! Violence, grâce. Après, avec le survivant, je connais pas trop, hein. Ça je regardais pas, c'était trop violent quand j'étais gosse. Oula! Oh, par contre là, c'est dégueulasse l'animation. Les décors sont super bien refaits, c'est ultra stylé en vrai. Non, et puis ça respecte bien le manga, hein. C'est assez violent et tout, comme... Ah là, attends. L'attaque du couteau. Couteau à beurre. Par le hachoir de viande. Je couperai vos gigots. Bon, je connais quand même quelques phrases cultes, hein, du doublage français dégueulasse. Quand même, je suis un peu initié quand même, hein. Mais il est vraiment cool ce mode, c'est... Non, ça défoule, il rend bien. Hein? Ah, ça tire à distance, j'avais pas compris. Ah ouais, je tire à distance. Genre mes coups de pied sont tellement violents que je les dégomme à distance. Non mais c'est quoi, je tape tellement fort l'air dans l'animé, il fait vraiment ça. Décidément les temps comme les œufs sont durs. Mais la vache, massacre. Non, c'est jouissif comme Brutal Doom. Hein. Mais ça se trouve ça va utiliser le moteur de Brutal Doom. Hein. Attends. Non mais non, je sais que c'est à distance, c'est trop bien, c'est trop puissant. Ouais. Oh là là là. Non mais en vrai c'est trop rare. Oh là 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 là, ce massacre c'est dégueulasse. Je sais pas si autant de sang ça passe sur YouTube comme ça. Oh là 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 là, mais comment les gens ils explosent, c'est terrible. Non, je suis content, je remercie l'abonné qui est vraiment proposé ce mode, il est vraiment jouissif quoi. C'est vraiment très très cool hein. Et je suis pas fan en plus hein, mais je trouve ça vraiment très marrant. Je suis sûr après quand t'es fan de la licence, ça doit être vraiment trop cool, tu te dis oh les refs et tout. Bon après c'est des américains qui ont fait ça, donc... enfin je crois hein, je crois que c'est un américain qui a fait ça. Du coup il a fait le choix de mettre les voix japonaises, mais je pense qu'en vrai pour nous en France ce qui serait mieux, c'est la version avec les voix françaises hein. On va pas se mentir, c'est quand même mieux hein. Tu balances des hauts couteaux à beurre, couteaux de cuisine et tout. Hadouken! Hein? Ah quoi? Attends, Ken le survivant, il balance des Kamehameha là? Je suis pas sûr de ça quand même hein. Oh le monde qu'il y a. Oh le massacre. Oh là là là, comment il a explosé lui. Ah, j'avais pas vu le visage de Ken, il réagit au coup de tour en plus. Oh là là. Ouais, je commence à prendre très très cher. Je vais peut-être mourir là hein. Il faudra que j'arrête de foncer dans le tas et réfléchir hein. Ils vont m'avoir comme dans, en vrai, hein, en surnom hein. Puis c'est pas très logique du coup je dois ramasser des munitions pour utiliser mes coups. Bon après ça permet de limiter que tu n'utilises pas tout le temps les mêmes armes shit. Sinon j'utilise tout le temps le Hadouken hein. J'aime bien comment il traverse le mur au calme parce qu'il est trop gros. Bon, j'ai assez de munitions de ça, ça va aller. Trop bizarre en plus de parler de munitions pour des nunchuk. Bonjour, mon nunchuk a des munitions. Oh, les musiques sont incroyables quand même. Ah bah c'est pas le méchant qu'il faut que tuer là, je sais pas quoi. Ah là là, aïe. Ah oui, fait mal. Mal, je vous confirme, nickel. Voilà. Alors une fois que vous avez battu le gros badass ou les gros badass parce que c'est au pluriel et nettoyé la base lunaire, vous êtes supposé avoir gagné. Mais est-ce que c'est le cas? Où est votre grosse récompense et votre ticket pour rentrer à la maison? Mais qu'est-ce qui se passe bordel? C'est pas supposé finir comme ça. Ça pue comme une vieille viande pourrie. Oh là là. Ah c'est tout, c'est vraiment fini comme ça? Oh c'est dommage. Bon non, mode très très cool, très content d'y avoir joué. Les bruitages sont cool, les musiques sont cool, les feelings sont cool. Et il est assez exigeant quand même, même en normal je trouve. On m'avait dit qu'il y avait un mode de Wario. J'adore Wario Land 4. Oh trop bien. Ok. Waouh. Oh non mais déjà j'adore le menu.
Oula! La puissance du gun, la vache! Wow. Puis j'aime bien le petit hub là. Oh mais le flingue, il a abusé là. C'est beaucoup ça maintenant dans les modes, j'ai l'impression, des armes ultra abusées. Waouh! Mais c'est quoi cette arme avec le recul là? What the fuck? Quoi? J'aurais déjà pu? Quoi? J'ai pas compris ce que j'ai fait. Je me fais détruire. Attends, mais je... Ah, je tiens le mec et je le lance. Ok, j'ai la clé. Oh la vache. Non, mais le recul. Mais c'est marrant parce que les ennemis, ils ont cette arme-là et ils font pas ces dégâts-là. Bon, c'est pas un gros changement. Hein. Ça change pas grand-chose, mais il est sympa. En vrai, le mode est cool. C'est sympa. Les armes sont puissantes, c'est rigolo, il y a un bon feedback et il y a un beau petit travail vraiment d'animation. Vraiment, le petit personnage qui bouge là en bas est vraiment cool. Oh, une nouvelle arme. On va tester une nouvelle arme. Oh, le recul de toutes les armes sont abusés. Hein. Je sais pas trop quoi dire parce que je trouve que c'est un peu toujours la même chose là. J'aime bien quand même quand il y a un petit travail sur les monts, sur la map, sur la musique. J'ai l'impression que c'est à moitié complet quoi. Il y a une intro et tout qui est dingue. C'est dommage quoi que c'est un peu feignant je trouve ça. Ah voilà. Ah non, c'est juste un tutoriel. Pourquoi c'est remappé que pour le tutoriel? Oh, c'est dommage parce que c'est... Putain, mais tout est refait. Je suis un peu blasé, je suis désolé. Hein. Pourtant, le mode est cool en vrai. Non, en vrai, il est cool. Hein. Ne vous fayez pas au fait que je sois un peu blasé. Mais c'est un peu toujours la même chose, du coup, j'aime pas quand ça change rien, pas grand chose quoi. I am Z, don't bullshit me, you want some, give me a ref. Ok, donc c'est un truc troll. Yo Anna, you're alone, yeah, I'm waiting for my present, ok. She's probably Anna. J'ai entendu une rumeur à propos de Noël. Ils ont détruit les jouets, elle est remplacée par quoi? What? Oh là là, ça va trop vite. The fuck? Quoi? Ça a été rapide, voyons voir. Quoi? Y'a du charbon dans le paquet cadeau? En fait, j'ai ça. Ok. Y'a du Doom, y'a du Nukem. Cocaïnum. J'ai trouvé de la cocaïne. What? Wish and happy new f... Quoi? Fine. Bon, ils m'ont fait une petite chanson de Noël un peu vulgose et j'ai fait un an sur tes balles. Quoi? C'est quoi ces bonhommes de neige là? What? Des bonhommes de neige avec des c'est des fusils à pompe qu'ils avaient? Hein? J'ai pas les rêves, je comprends pas en fait. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. En plus, il m'a rien dit de particulier. Bon, à chaque fois. En vrai, vous devriez me dire à peu près ce que c'est quand vous m'envoyez un mod. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Comment les gentlemen buy your last rocket in limited edition. Ok, donc il y a une last rocket en édition limitée. Et il m'attaque, ok, super. Ok, la sortie, il y a une moto. D'accord. Christmas Quest partie 1. Au moins c'est participé par niveau et ça c'est bien. Il y a beaucoup de modes où c'est pas participé par niveau. La fille qui a get after kills, c'est poussé. C'est vulgaire pour rien en vrai. Hein. Ça se veut drôle et c'est un peu troll mais je trouve ça un peu vulgose et débile. Après je crois que j'ai vu qu'il y avait... Ah je suis déjà mort. Ah il y avait un lutin de Noël qui me tuait évidemment. Oh là là, j'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode, enfin d'autres épisodes de ce truc. Et du coup bah j'ai fait le premier évidemment, je prends le premier, mais ça se trouve c'était ça, c'est un truc qui s'est plus affiné avec le temps. Mais ça pareil, il aurait fallu me préciser, oh là là, tu peux jouer à ça, mais peut-être pas le premier parce que c'est pas ouf. Oh là là. Ah oui c'est vrai que c'était guidé, c'est bien. Ah, mais c'est trop dur. Ah mais j'essaie de comprendre l'histoire en même temps, c'est trop dur. Oh je sens pas. Ah, et du jump, je sens que on va vite rage quit. Oh là là, ça me frustre, j'ai déjà pas envie d'y être. Je vous jure, je le fais pas exprès, hein. Si je peux vite recommencer, moi ça me va. Oh là là, faut courir en plus, oh là là, c'est chiant. Et quoi, lol, il faut que je fasse demi-tour? Oui. Mais ça, c'est trop juste pour emmerder le monde, ça. Oh la vache! Hop. Oh la vache! Donc ça, j'imagine, pour ouvrir la porte là-bas, là, voilà. Warning flu... Non! Non, non, il y a de la neige qui glisse, non! Je sens la phase de jump avec la neige qui glisse. Ah, oh, si, si, il y a une porte qui est fermée. Enfin... What? What? Would I tell y'all about coming in my ship? Run, bitch! Run! What?
Attends, pourquoi il y a un mec qui me poursuit avec une tronçonneuse, what the fuck? C'est quoi cette merde? Mais quoi? Mais je devais aller où? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'il faut faire. Mais quoi? Mais pourquoi il est encore là? Mais attends, mais c'est dingue! Ok, et... Oh putain, il est là. Ok, tant que je l'entends, il est derrière mon cul. Là, c'est bon, je peux aller là, non? C'est ça, il fallait qu'il se passe derrière moi. Qu'est-ce que quoi? What the fuck, c'est quoi cette merde? Quoi? Mais je dois tout reprendre. What the fuck? C'est quoi cette merde? Mais quoi? Ah, mon corps qui descend tranquille la pente, ça a l'air énorme. Oh là là, ça a l'air énorme. C'est quoi ce bordel? En fait, c'est ça, il faut que je me fasse ralentir par le mur ou je sais pas quoi là. Non. Voilà. Ok, et il faut esquiver les revenants. Que tu vois à peine, t'as pas le temps de voir parce que ça va trop vite comme jeu. Je tourne à peine. Taille. Mais c'est trop dur! What the fuck? Mais j'ai l'impression de faire un glitch là! Mais c'est n'importe quoi! Oh la vache. Bon, je me fais insulter par les revenants, hein, c'est nickel. Oh là là, mais les sauts de géant de fou que je fais. Oh, j'ai réussi un truc, je sais pas comment. Quoi? N'oublions pas, voilà, le petit glitch. On va coller le mur, là. Hop, on va essayer en tout cas au mieux. Voilà. Pas trop. Faut que je reste là. Non! Bon! On va passer à un autre niveau pour voir, hein. Essayer de leur donner une chance, mais... Later. Bon, moi, c'est plus détente, là. Je suis désolé, hein. Franchement, je m'en fiche que je triche, j'ai sauté un niveau, mais... Vous voyez que je m'amuse pas, je sais pas, forcément m'infliger ça. Et la personne qui m'a proposé le mode, t'inquiète pas, hein, te sens pas désolé ou autre. Ça ne touche pas, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Je dis ça parce que souvent vous êtes bienveillants et dès que je me sens mal, vous sentez mal pour moi et il n'y a pas de problème. En fait, j'ai l'impression que ouais, le but c'est d'avoir un cadeau de Noël, quoi, mais j'en trouve pas, quoi. Je suis tombé que sur du charbon parce que je suis une mauvaise fille, enfin une vilaine fille. Profite de ton dernier cadeau. What? C'est quoi ce nombre d'ennemis? On va se planquer pour pas mourir. Très sympa le feeling du minigun. Ce monde! What? Pourquoi des bonhommes de neige? Parce que c'est esprit de Noël. Il y a une fille pas très gentille. Quoi? Le Père Noël travaille avec le roi des cochons, non? Il veut que ma présence. Ok, donc le Père Noël ne veut pas m'offrir un... Donc je vais le cramer à coup de lance. Attends, mais il a ses couilles. Attends, il a une arme cheatée là, le Père Noël. Oh, je me suis battu contre le Père Noël, c'est terrible. Oh, mais il me défonce, le Père Noël. C'est quoi cette arme? Mais what? Non, il a un lance-roquette. Oh, mais c'est quoi cette merde encore? Mais what? Mais c'est quoi cette cadence de tir? Et là maintenant, il a le. Mais pourquoi il change d'arme? Mais la cadence de tir! Oh, je l'ai bloqué là! Je le touche, il me touche pas! Non, mais vous voyez la cadence de tir? C'est un cyber démon sous cocaïne, hein. Bah attends, mais je le touche ou pas? Oh, bah, c'est passionnant, hein, comment on va le boss, hein. Est-ce qu'il va mourir un jour? Bonne question. C'est quand tu veux pour mourir, hein, Père Noël. Allez, merde, Père Noël! Il a pas des reculs de son lance-roquette? C'est abusé là. Ça y est. Ah, on le tue et fin. Ok. C'est le premier mode où je suis un peu partagé parce que j'ai déjà fait des modes nuls. On a fait Drug Doom et tout là. Il me laisse encore un mauvais souvenir où là le Bob l'éponge là qui était vraiment nul. D'ailleurs, très drôle au montage le Bob l'éponge, enfin le mode Bob l'éponge à jarter. Hein. Vu la poubelle que c'était, la chiasse, ça me surprend même pas que ça a été supprimé. Hein. On n'est pas sur un mode nul à chier quoi. Pas mauvais à ce point. C'est je parle pas très bien anglais donc je comprends pas la moitié des vannes, ça va trop vite. J'ai pas les rêves, donc je comprends pas pourquoi on se bat contre des bonhommes de neige. Je pense que c'est pas encore un truc troll, un peu comme Pokémon Clover. Alors du coup, on m'a promis un petit truc sympa. On m'a dit que ça remplaçait les démons par des anges, mais t'inquiète, c'est pas si simple que ça. Oh, quelle horreur. Je viens de tuer des petites filles, en fait, là. C'est bizarre, ça me rappelle un autre mode. De fou en vrai, non? Ok,
quelle horreur les bruitages. J'espère vraiment par contre que vous regardez pas ma vidéo avec vos parents juste à côté. S'ils vont se poser des questions. Hein. Je me suis fait tuer par un adorable chérubin. Mais pourquoi je tue des petites filles? Mais. Oh là, c'est quoi cette armée de petites filles? Mais quoi? Mais quelle horreur! Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec en avait marre des petites filles, je sais pas, il a fait un mode où il pouvait tous les buter. On m'a dit des anges, pas des petites filles. C'est pas des anges ça, si? Bon, ça c'est des anges. Aïe putain. Oh, mais ça fait mal par contre, hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Le bestiaire a l'air ultra varié, hein. Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que vous faites jouer, sérieusement? On m'avait dit que je crois que c'était un peu dur, et effectivement, c'est assez exigeant quand même. Je les ai désintégrés, c'est terrible. Et ça va être un mode japonais, je pense. Ou alors c'est des whips qui ont fait ça. Je vais mettre les niveaux de fin pour voir un peu. Histoire de voir un peu tout le bestiaire, là. Est-ce que, d'ailleurs, on le verra affiché? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ouh, ça a l'air dangereux, ces trucs-là. Ah, et ça reste même quand elle est pas là? Quoi? Hein? Quoi? C'est horrible! Oula, elle est vénère. Oh oui, elle est vénère là. Oula, 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 elle fait mal. D'après mon perso, j'ai fait très très mal. Oula, aïe 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 aïe. Oh non! Mais il faut que les mecs qui fassent des modes pensent à faire ça, quoi. C'est quand même plus sympa de voir en plus que ça a remplacé. C'est un peu comme le mode Wario Land, sauf que là, ça remplace les ennemis. Voilà, et bon. Voilà. Ah, oh, il y a des shiny en plus qui se TP ou quoi? Quoi? Pourquoi fait des bulles elle? Quoi? Hein? Est-ce que. Voilà. Je vais voir si les cyberdémons ils l'ont changé. Quoi? Oh, c'est terrifiant. What? Elle a l'air trop balèze! C'est téléguidé en plus ces boules là? Elle rigole zéro elle. Oh ouais, trop bien. Par contre, pour les bruitages, bon voilà, ça me rappelle ce mode célèbre. On arrive maintenant au dernier mode de la vidéo. Et là, je suis obligé de poser un petit disclaimer. Je sais pas si c'est le mode qui fait ça ou la configuration de mon ordinateur, mais il y a des lumières qui clignotent pas mal à l'écran. Donc si vous êtes épileptique ou que vous avez trop mal aux yeux pour regarder, vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant. De toute manière, c'est un mode qui fait peur que pour ceux qui y jouent. Concrètement, vous ne ratez rien, je vous rassure. Bon, un mode un peu plus horrifique, on va dire. La Still Light. On va voir si c'est bien. Oula. Ouh. Ok, là, on est dans Doom 1. Oh, bordel. Non, mais qu'est-ce que vous me faites jouer, là? Non, mais ça a l'air terrifiant. Hein. Je vous déteste s'il y a des screamers. Hein. Ça m'a été proposé par l'un d'entre vous. Je vous déteste s'il y a un putain de screamer. Ok, bon, voilà, on est sorti. Ah, ah. Trop simple. Trop simple. Oh, quel enfer. Ah, j'ai vraiment pas envie d'y jouer. Hein. En vrai, je suis curieux de savoir ce qui se passe. J'ai pas envie de savoir. J'ai trop peur de me prendre un putain de screamer dans l'oreille. Mais on peut la recharger la lampe parce que je vois que ça diminue encore et encore. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Et en plus, je sais pas vous, mais c'est agressif aux yeux, hein. Oh la vache, la lumière elle est un peu mal gérée, hein. Alors c'est peut-être ma config. Ah, qu'est-ce que c'est? Pardon. Excusez-moi. Hein. C'est vrai qu'il faut que j'arrête de crier. Ah, oh, j'ai des frissons, c'est horrible. Putain de merde. Ok, c'est bon, allez. Je sais pas ce que c'est, ce qui va se passer, mais voilà. Non, par contre, y'a pas d'histoire, y'a rien, du coup, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Oh, et puis la lumière, elle est agressive, putain. Ça me pète les yeux. Je suis sûr que ça va vous péter les yeux, je... Ça rappelle un peu Amnésia, hein. J'ai envie de me chier dessus. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi vous me forcez à faire ça? Oh, putain, je l'ai vu. Ok, on se calme. Tout va bien. Et là, j'ai perdu la moitié de mes abos parce qu'ils sont partis de la vidéo, parce qu'ils se chient dessus. Allez, monte vite. Putain de merde! Monte vite! Ok. Quel enfer. Qu'est-ce que vous me faites jouer? Non, mais je vais arrêter. Non, mais c'est trop bien. Hein. Ça fout les boules. Hein. C'est juste, je pense, ma config, elle est dégueulasse. Je trouve que mais la lumière, elle est horrible. Oh, qu'est-ce que... J'ai vu un truc? Ah, c'était un ennemi. D'accord, donc après, il y a des trucs, ok. Il y a d'autres ennemis. Ah merde, il y a d'autres ennemis. Ah, ça va me forcer à voir le mode un peu. Non. Attends, et fais voir le hard là. Oh, quel enfer, mais pourquoi je continue? La curiosité. Enfoiré!
Oh là, obligé de me hurler dessus là. Bon, en tout cas, ça, ouais, si vous êtes fan de Doom 3, tout ça, là. Putain de merde, non, casse-toi, non, quoi. Ah ouais, Hard, c'est vraiment Hard, hein. And the Horror, no, yes. En fait, non. Alors, j'ai envie de l'essayer du coup, vite fait, sur Doom 2, voir. Oh, c'est la même chose. Non, mais quel enfer. Mais quel est l'esprit tordu qui a fait ce jeu? Il faut connaître les niveaux par cœur pour vite sortir, quel enfer. Oh là là. Bon, ok, vous avez réussi à me faire flipper sur Doom, bien joué. Oh, l'ambiance est bien gérée, hein. Vraiment, les mecs qui ont fait le mode, c'est des psychopathes, hein. Voilà, sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera, je sais pas quand, pour une nouvelle partie, où cette fois, c'est moi qui vous présenterai des mods. Et vous inquiétez pas, j'ai trouvé des perles. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao! Par contre, vraiment, le fait de balancer les ennemis, c'est vraiment drôle, hein. Franchement, ça fait triper, hein. C'est génial.